moi en fait, les formations à l'UNAM ont complètement changé ma vie. Derrière un comment se cache en fait une opportunité de business. Ma personne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve une petite surprise. Les formations à l'UNAM ont complètement changé ma vie. Donc comme vous avez pu voir sur la première photo qui s'est affichée, je vais demander, on va faire un partage d'écran tout à l'heure. Il y a exactement 4 ans, je travaillais à McDonald's. McDonald's, c'est quoi? McDonald's, c'est l'une des plus grandes chaînes de restaurants au monde. Et il se trouve que lorsque je travaillais à McDonald's, c'est vrai, lorsque je travaillais, tout l'argent que je gagnais me revenait. Mais combien est-ce que je gagnais par heure? À peine 7-8 euros par heure et encore. Mais il se trouve que lorsque je travaillais à McDonald's, je commençais à réfléchir parce que je lisais beaucoup. Je commençais à réfléchir sur comment réussir à créer un système qui allait me permettre de gagner de l'argent, même en dormant. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-entrepreneuriat. Je me suis lancé dans le boulot de chauffeur-livreur. Et ce qui s'est passé lorsque je faisais le boulot de chauffeur-livreur, c'est que très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas devenir riche avec le boulot de chauffeur-livreur parce que lorsque je ne travaillais pas, je ne gagnais pas d'argent. Donc pendant que je travaillais en tant que chauffeur-livreur, je réfléchissais toujours sur quel business est que je peux lancer qui me permet de gagner de l'argent même en dormant. Parce que pour devenir riche, il faut pouvoir mettre l'argent à son service. Je pense que vous le savez déjà. Donc pendant que je faisais ce boulot-là, je découvre que je peux vendre des baskets en ligne. Donc très vite, je prends une basket, je vends, ça me rapporte 50 euros. Non, 40 euros. Je prends une deuxième, je vends, ça me rapporte. Je prends 5 baskets, je revends, ça me rapporte 200 euros. Et de fil en aiguille, je me dis, allez, ça y est, j'ai trouvé le Graal, donc je vais me mettre dedans à fond. Mais très vite aussi, je me rends compte que ça va être très compliqué de gagner beaucoup d'argent avec ce système-là. Parce que dès qu'il fallait avoir 50 paires de baskets, 60 paires de baskets, il s'est posé un problème. Le problème du transport et le deuxième problème, c'était le problème du stockage. Parce qu'on commençait à ne plus avoir suffisamment d'espace à la maison pour stocker tout ça. Et quand bien on arrivait à stocker tout ça, il fallait maintenant réussir à les écouler. Et c'était impossible de les écouler de manière automatique. Parce que lorsqu'on vend une chaussure, il faut maintenant aller chercher la chaussure dans le magasin et aller l'expédier. Là encore, ce sont des frais. Et là, je commençais déjà à réfléchir sur comment automatiser tout ça. Sauf que je me dis, ok, je vais mettre sur un site internet. D'accord, super. Mais quand on met sur un site internet, sur une plateforme en ligne, vous connaissez beaucoup de marketplaces, et bien les marges que ces marketplaces vous prennent sont juste énormes. Donc si on veut rentabiliser le business, il faut absolument acheter à bas coût et vendre à un coût beaucoup plus élevé pour avoir des marges suffisamment importantes. Donc très vite, je me rends compte que même jusque-là, ça va être très compliqué. Et en plus, je ne compte pas tout ce que les impôts nous prélèvent comme taxes ici en France. Donc de fil en aiguille, je me frotte à YouTube, je me frotte à Facebook. Je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire avec ces outils-là. Donc, un jour, pendant que je fais du contenu, j'ai partagé du contenu, il y a une personne qui me dit, mais Valère, comment est-ce qu'on fait pour faire l'école et le business? Et comme moi, j'ai un cerveau orienté opportunité, je me dis, derrière un comment se cache en fait une opportunité de business. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je gagne de l'argent à partir de la question qu'on m'a posée de savoir comment est-ce qu'on fait le business et les études? C'est ce qui m'amène à sortir ma première formation qui s'intitule « Comment se lancer un business en étant étudiant ?» Tout de suite, je lance le truc. On doit avouer que je n'avais pas autant d'aisance que maintenant. Tout de suite, je lance le truc. Je sens qu'il y a un petit engouement. Et là, de fil en aiguille, j'ai sorti plusieurs formations en un an. Parce que tout ce dont je vous parle, je l'ai fait en un an. Ce qui a permis qu'en un an, on puisse générer plus de 28 000 euros juste en vendant des formations en ligne. Ok. Beaucoup parmi vous vont se dire, ok Valère, moi je ne suis pas Valère, je n'ai pas une communauté sur Facebook, donc comment faire? J'ai envie de te dire, ma personne, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai fait tout ça, c'est vrai, je n'étais pas seul, mais si j'ai réussi à faire tout ça, ce n'est pas parce que je suis plus brillant que vous, pas du tout. C'est juste parce que j'avais pris conscience d'une chose. La chose dont j'avais pris conscience, c'était que je n'ai pas besoin d'être excellent avant de commencer à transmettre mes connaissances. Ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que dès lors que les gens commencent à me poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait 3 points de suspension, ça veut dire que quelque part, ces personnes-là ont vu quelque chose en moi dont
j'ai ce quelque chose là. Il ne dépend plus que de moi de transformer cela en compétence pour pouvoir monétiser tout ça. Et la vérité, c'est que on a tous une expérience à partager. Maintenant, il y en a qui vont décider de passer à l'action en transformant leur talent ou leur, je vais dire, leur atout en compétence et les partager et gagner de l'argent. Voilà toute la différence qu'il y a entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui ont des résultats médiocres. Ceux qui ont des résultats médiocres, ce n'est pas que ils n'ont pas de talent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'atout, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de dons, pas du tout. C'est juste qu'il y a d'un côté ceux qui décident de passer à l'action parce qu'ils se disent « j'ai un petit niveau, mais je vais quand même essayer avec ce que j'ai ». Et de l'autre côté, on a ceux qui disent que « je ne suis pas assez », trois points de suspension. Donc, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ou du moins ceux qui m'ont découvert il y a un peu plus d'un mois, qui ne savent pas vraiment qui je suis, moi je m'appelle Valère Bélias. Et je préfère toujours me définir comme le chercheur d'argent. Je suis le fondateur de Argent Livre. Argent Livre qui est une communauté qui aujourd'hui compte plus de 160 000 personnes. J'aime pas le terme abonné parce que pour moi c'est un peu réducteur. Moi je vois plus une communauté de personnes avec qui on peut bâtir des choses folles. Argent Livre, à ce jour, c'est plus de 13 formations qu'on a mises en ligne en moins d'un an. En moins d'un an. Si on a pu le faire, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire dès lors que vous avez le bon mindset et les bonnes techniques pour y arriver. Argent Libre, à ce jour, c'est plus de 441 élèves qu'on a formés jusqu'ici dans plusieurs formations diverses que je partagerai avec vous tout au long de cette formation. Argent Libre, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est plus de 28 000 euros de chiffre d'affaires générés uniquement grâce aux formations en ligne. Je ne parle pas des autres activités qu'on développe telles que l'édition, la communication, il y a beaucoup d'autres prestations qu'on a dont je ne vais pas en parler. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que pour 2022, même pas pour juin 2022, avec les stratégies qu'on est en train de mettre en place, notre objectif c'est de générer 100 000 euros, non pas des chiffres d'affaires, mais de marge. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et parmi la, et dans la stratégie qu'on est en train de mettre en place, il y a les formations en ligne parce que les marges sur les formations en ligne sont juste énorme et c'est facilement scalable. Bref, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais tout au long de cette formation, je vous invite à être très attentif parce que ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qui littéralement peut vous faire gagner énormément d'argent. Et pour ça, pas besoin d'être Einstein. L'une des plus belles choses que Internet a rendu possible aujourd'hui, c'est de pouvoir se lancer en business avec très peu de moyens. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que la plupart des gens qui se lancent sur Internet n'ont pas beaucoup d'argent. Chose promise, chose due, ma personne. Comme convenu, la petite surprise que j'avais pour toi, c'est que la vidéo que tu viens de regarder, c'est un extrait de notre formation de très haut niveau qui s'intitule « Comment concevoir une formation de qualité et la vendre ». Donc, si jamais tu veux bénéficier de la version intégrale qui est totalement gratuite de cette formation de très haut niveau, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Sur ce, ma personne, je te remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.